je sortais beaucoup dans le milieu gay et j'entendais beaucoup d'histoires sur des couples qui cherchaient à avoir des enfants. Et j'ai rencontré Mika, une belle rencontre d'amitié. Et quand il m'a raconté son histoire, bah, du coup, j'ai craqué. En fait, je lui ai dit dans l'impulsivité, comme je fais toujours, véritablement, Mika, moi, je te le fais, ton bébé, parce que je t'aime très fort et je suis capable de le faire. Et là, je me mets dans une colère. Mais t'es qui, toi, pour dire ça? Tu connais ma vie, tu connais mon parcours. Tu peux pas me dire que c'est simple comme ça, comme si tu me demandais, tiens, passe-moi le beurre, passe-moi le fromage. Je dis, mais t'inquiète, on en reparle. Et on en a parlé pendant un an et demi. Donc, c'est quelque chose qui était choisi. Et puis, ben, l'aventure est partie. La première fécondation n'a pas fonctionné. La seconde a très bien fonctionné. Ben là, c'est génial. C'est des larmes de joie. C'est un vrai bonheur.